Bonjour, comment t'appelles-tu ? Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Audrey. Je m'appelle Quentin De Bruyne. Je m'appelle Noémie Dubarge. Je m'appelle Kylian. Je m'appelle Juliette. Je m'appelle Tom Morfadini. Je suis en seconde au lycée. Biotech à Bio. Quelle option as-tu choisi pour l'année prochaine ? J'ai choisi sciences physiques, et maths et bioéco. Pourquoi ce choix de biologie écologie ? Parce que je suis d'un naturel très curieux et scientifique, donc ça me plaisait déjà beaucoup. Et ensuite, j'aime les animaux. Depuis plusieurs années, je suis passionnée de la biologie. Parce que j'aime la nature, l'environnement. Parce que une de mes passions, c'est les animaux, et que cette option, elle est plus basée sur l'étude des animaux. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Donc, Juliette Barbieux, je suis professeure d'agronomie au lycée Biotech de Douai. En quoi est-ce intéressant de choisir cette spécialité qui est biologie-écologie ? Alors, c'est intéressant parce que c'est une spécialité qui apporte des connaissances scientifiques solides. En plus, il y a beaucoup de TP et on peut utiliser l'environnement du lycée où il y a des haies, des champs, il y a la réserve aussi, donc il y a un bois. C'est assez intéressant. Donc, moi, par exemple, si je veux devenir vétérinaire, est-ce que j'ai intérêt de choisir cette spécialité ? Oui, plutôt parce que comme en santé humaine, la santé animale dépend de la biologie. As-tu choisi des options pour l'année prochaine ? Oui, hippologie, parce que j'aimerais bien faire vétérinaire équin. J'ai choisi AET, donc c'est agronomie et écologie du territoire. J'aime bien parce qu'on va faire beaucoup de sorties, notamment dans l'agroalimentaire et dans les réserves naturelles. Pourquoi ce choix d'agronomie, écologie et territoire ? C'est plus basé sur le vivant, les animaux, donc ce que j'aime, et ça rajoute des points bac. Parce que ça me permet d'élargir ma culture générale, et ensuite ça vient en complément de biologie et écologie. Réellement dans ce lycée ? C'est avant tout sa taille, c'est un lycée à taille humaine. Ensuite, c'est ses extérieurs qui sont assez agréables, ça donne moins l'impression d'être enfermé. Les laboratoires qui sont assez modernes, qui permettent une bonne qualité de travail. Dans les classes en première et terminale, on n'est pas plus de 24. Les professeurs, ils sont tout le temps derrière nous pour nous encourager, pour nous aider dans notre projet futur. Et après le bac, qu'est-ce que tu envisages de faire ? 2 ans de prépa vétérinaire et 5 ans d'école vétérinaire. J'hésite entre des études de sciences ou de médecine. J'aimerais être pilote de chasse et sapeur-pompier. J'aimerais devenir vétérinaire rural. Je souhaite être professeur de biologie. J'aimerais être kiné et du coup c'est 1 année de médecine et 3 ans en fac. Fait.